Je retourne chez mes amis révélateurs, nous allons voir comment résoudre des équations dont R, voie technique, peut vous être utile dans d'autres équations. Première équation, on a x au cube moins 3x égale moins x. Petit rappel, x au cube c'est x fois x fois x, 3 fois. Donc on fait la factorisation du premier terme, x est un facteur commun, donc x fois x au carré moins 1 égale. Deuxième terme, moins x. Et on va déplacer le deuxième terme. À gauche, attention, il faut changer son signe. Moins x va devenir plus x. Donc x fois x au carré moins 3 plus x égale 0. Et comme vous voyez ici, x est le commun. C'est une expression algébrique. Donc, facteur commun c'est x. On ouvre la parenthèse. On fait x au carré moins 3 plus. On a pris x. Attention, il faut écrire 1 parce que 1 fois x égale x. Donc x fois x au carré moins 3 plus 1 c'est moins 2. Égale 0. Une petite factorisation ici qui s'impose, c'est les identités remarquables. Parce que les identités remarquables permettent de changer ici une somme, mais une différence avec un produit. Donc x au carré moins racine de 2 au carré. Donc x moins racine de 2 fois x plus racine de 2 égale 0. Et voilà, vous avez un produit qui est nul. Si seulement si l'un de ces termes est nul, a fois b fois c égale 0. Si seulement si a est nul égale 0, ou b est nul, ou c est nul. C'est pourquoi on cherche à factoriser pour résoudre des équations. Donc on a x est égal à 0, ou bien x moins racine de 2 égale 0, ou bien x plus racine de 2 égale 0. Et là, premier terme, bien première équation, c'est clair, x est nul. Deuxième équation, on fait moins racine de 2, on va le déplacer de l'autre côté, va devenir plus racine de 2. Même chose pour la troisième équation. X égale moins racine de 2. On vérifie, est-ce qu'on a tous ces nombres dans le domaine de définition, ça veut dire R. Donc ici, S égale 3 éléments. Moins racine de 2, 0, racine de 2. Deuxième équation, X au cube moins 3X égale 0. On fait la factorisation. X fois X au carré moins 3 égale 0. Que vous voyez ici, il y a encore identité remarquable. A carré moins b au carré égale a moins b fois a plus b. C'est comme ça qu'on peut changer x au carré moins 3, le rendre un produit. Donc on a x fois x au carré moins 3. Donc x moins racine de 3 fois x plus racine de 3, ça nous donne 0. Produit nul, c'est seulement si l'un de ces éléments est nul. Donc x égale 0 ou x moins racine de 3 égale 0 ou x plus racine de 3 égale 0. Et ce sont des équations simples de premier degré. Donc x égale 0 ou x égale racine de 3 ou bien x égale moins racine de 3. Tous ces éléments sont des nombres dans le domaine de définition, ça veut dire R. Donc on va les prendre. Si la question est résoudre dans R étoile, on ne va pas prendre 0. Mais ici, résoudre dans R, donc on va prendre moins racine de 3, deuxième 0, troisième racine de 3. Comment résoudre l'équation x au cube moins 3x égale moins 7x? Donc x au cube moins 3x moins moins 7x égale 0. Pourquoi? Parce que a moins est égal à b, si seulement c'est a moins b égale 0. Donc on simplifie, moins 3x plus 7x. X au cube moins 3 plus 7, ça veut dire 4x égale 0. Et là, une factorisation. Donc x égale 0 ou x au carré plus 4 égale 0. Ça veut dire x au carré égale moins 4. X au carré, c'est un carré, quel que soit a dans R. A au carré est toujours positif. Donc on ne va pas prendre cet élément. Il nous reste un seul élément, s égale 0. Attention, on fait la résolution dans R. Remarque, si c'était résoudre dans C, ce sont des nombres complexes que vous allez voir au terminal, bien au lycée. Mais x au carré plus 4 égale 0, deux solutions. Parce que il y a un nombre imaginaire, son carré égale moins 1. Donc x au carré égale moins 4. Donc x au carré égale 4 fois moins 1. 4 c'est 2 au carré. Et moins 1 c'est i au carré. Dans ce cas-là, on a x au carré égale 2i, tout ça au carré. Parce qu'on sait que i au carré égale moins 1. Donc x égale 2i ou x est égal moins 2i. On a trois solutions. Dans C,
Donc 2i moins 2i est 0. Mais dans R, on a juste 0. Merci pour votre temps, merci de votre soutien.